Oui, ben, Réjean est parti. Qui a dit ça? Tout le monde. Si tout le monde l'a dit, ça doit être vrai. Vous ne me croirez pas, Réjean est parti. Il l'a annoncé, c'est fait et officiel. Il y a un chien qui se condamne. Messieurs, on vient d'apprendre que Régent Poirier a pris sa retraite. Il disait à tout le monde qu'il travaillerait encore au moins un an. Avec cette annonce, il a pris tout le monde par surprise. Personne ne semblait y croire. Pierre, vous réagissez comment à une nouvelle comme ça? Il y a même eu des échos en Angleterre. Une voyageuse arrivée au pays récemment nous raconte comment la reine Élisabeth a réagi à cette nouvelle. Là, elle pensait que c'était des farces, elle a dit « Ah, arrête de faire des farces plates, toi! » On a aussi la réaction de Pierre-Carl Pelado suite à cette annonce. Régent est parti. Et selon moi, il avait, me semble, toujours travaillé pour la population. Puis le régent, ben il est parti. Et Séraphin Poudrier, grand ami de régent, lui aussi, il est bouleversé. Je comprends que c'est triste, mais il fallait s'y attendre. Il fallait que ça finisse pour finir. Belle aventure! Il me semble qu'il aurait pu nous le dire, nous avertir. Ça me fait de la peine. Je sais pas où est, mais ça me fait de la peine peut-être plus qu'un autre. Il ne me reste plus qu'à me retirer. On a également appris que Régent se cherchait un sideline pour occuper ses temps libres depuis qu'il est retraité. Il paraît même qu'il voulait jouer le rôle de Batman dans un prochain film. Là-dessus, on rejoint notre collègue Louis-Paul en studio. À toi, Louis-Paul. Georgiana, Régent est parti. Et je te dis qu'il y a du monde qui est triste. Hey, Séraphin. Ouais. Régent a dit qu'il aurait fait au moins un an de plus, mais ça a l'air qu'il a pris sa retraite. Pas sérieux? Pourquoi il a pris sa retraite là? Il est trop riche. Ben moi, j'ai plutôt entendu dire que c'est parce qu'il voulait laisser sa place aux plus jeunes. Viens, chien, vous êtes donc dur de comprendre. Comme ça, toi, tu penses que c'est parce qu'il était rendu au bout de son rouleau, là? Oui, monsieur! Ben, moi, je suis sûr que tu te trompes. Oh, ouais, ouais, ben. Crois-tu qu'il est corbon pour quelque chose? Moi, c'est presque ma vue pour les gros ouvrages. Hey, son dernier petit chiffre, là. Il voulait le commencer à 2h05. C'est pas une excuse, ça. Quand c'est 2h, c'est pas 2h05. Ben là, t'aurais pu faire 5 minutes à sa place, pour 5 minutes. J'ai pas de cadeau à faire, mon... Ah oui, dedans, là, c'est le jour de sa retraite. J'ai dit pas de passe-droit. Tabarnouche, j'ai rien à faire avec toi. Choquez-vous pas. Là, je le mène. Non, il a décidé de la prendre, tandis qu'il va encore la santé. J'ai mieux de main. Qui dit? Ben, je crois pas qu'il est top shape, là, mais... Il doit être encore un petit brin pas pire. Un petit brin gras, par exemple. Je trouve que t'es le souffle-cou. Tu manges trop de cochon. Ça se peut. Ça a l'air, tu veux partager ton or avec lui? Dis-vous, vous! Hey, je sais pas si tu savais ça. Il a repris comme modèle pour les statuettes des Oliviers. Je veux le contraire. Hey, sais-tu qu'on pourrait faire un gala des paramédics? Pour on donnerait des trophées, des statuettes, on donnerait des régents. Mais vous êtes encore plus fou que je pensais! Hey, il a fait du chemin, ce gars-là. Il a parti de Murdochville jusqu'à Saint-Anne-des-Monts. Il a passé par Gérald Gagnon puis Radisson. Tu veux le contraire? Tu sais que Régent connaît beaucoup de monde, mais faudra pas que, quoi qu'il est retraité, qu'il reste juste Camille qui parle de sa tête.
Ce pomme, toi qui as plein de contacts, peux-tu lui trouver quelque chose? Me semble qu'il aimerait ça travailler avec toi. Moi, je pense comme vous. Tu me promets-tu de regarder si tu peux faire quelque chose? Je te le promets. Hey, au fait, Régent et Claude, à Marina, jeudi, viens-tu faire un petit tour? Qui c'est qui va être là? Ben, qui c'est qui va être là? Qui c'est qui va être là? Viens, puis tu vas voir de toi-même. Ben, c'est tout du monde qui va venir faire un petit tour pour fêter. Mais viens faire un tour. On va faire. N'oublie pas qu'il commence à se faire tard. Passe 8 heures. Ben là, tu me jettes quasiment dehors, il est 8 heures. Bye, je m'en vais. Viens. Il y a donc du monde fou pis malade dans le monde. Et maintenant. Bonsoir, il est parti.